Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo qui sera courte. Je vais vous raconter pourquoi finalement j'ai parlé d'exemples concrets de mes propres manipulateurs en les citant sans évidemment qu'ils soient identifiables, hein. J'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas identifiables et il est probable que le manipulateur A va se reconnaître dans le manipulateur B, le manipulateur B se reconnaîtra dans le manipulateur E ou F, etc. Donc, puisqu'ils se ressemblent plus ou moins dans les comportements que j'ai décrits, personne en réalité ne peut réellement se reconnaître, à quelques détails près peut-être, hein, voilà. Alors, pourquoi j'en ai autant parlé et pourquoi j'ai autant pris d'exemples? Eh bien, je crois notamment, il n'y avait pas que cela, c'était une manière pour moi de finalement dominer la situation, de me réapproprier la situation et de me dire, là c'est moi qui commande finalement. C'est un peu puéril, hein, je sais, mais après tout j'ai été manipulé, pris un peu, petit peu pour un imbécile finalement. Et bien là non, c'est moi qui suis celui qui analyse, celui qui décortique, celui qui manipule finalement d'une certaine manière, même si ce n'est pas malveillant dans mon optique. Et j'ai agi un peu comme j'aurais fait de l'entomologie finalement, hein. C'est un peu méchant, mais ça m'a fait du bien de me dire, attention, vous avez peut-être voulu me faire tourner en bourrique, peut-être même certainement, hein. J'en suis même persuadé, mais au moins, je reprends le dessus et c'est moi qui analyse la situation et c'est moi qui vous manipule par le biais de l'analyse. Au moins, j'agis de façon plus constructive que vous. Bon, et je me suis empressé de sauter à pieds joints sur les petits défauts que mes manipulateurs ont pu mettre en évidence d'eux-mêmes. Celui qui, par exemple, se trouvait un trop grand nez. J'espère qu'il a écouté la vidéo, puisque j'ai insisté sur la longueur de son nez, sans le croire du tout, hein. Puisque je ne l'avais pas remarqué moi-même, et la prochaine fois, si je le revois un jour, je ne sais pas, je regarderai avec plus d'attention pour voir si ce nez est effectivement trop long. Mais je ne le pense pas, hein, voilà. Je me suis lâchement servi de ce détail, dans l'espoir illusoire, sans doute, que la personne en question regarderait ma vidéo. Je sais que certains les regardent, j'ignore si ceux qui les regardent sont ceux que je connais, mais il y a des indices qui montrent qu'il y a des méchants manipulateurs qui me mettent de mauvaises notes et mettent des pouces renversés. Ça m'amuse parce que on voit la raison pour laquelle ils font ça. Des gens qui ne seraient pas intéressés par mes vidéos vont simplement passer à la vidéo suivante. C'est rare finalement qu'on mette un avis négatif, sauf si la vidéo vraiment nous choque. Voilà. Mais sinon, si on met un avis négatif, c'est qu'on se sent visé finalement, hein. Pas parce qu'on se sent visé en tant que tel, mais parce qu'on sent que le comportement qui est décrit dans la vidéo correspond à notre comportement, hein. C'est peut-être ça. Voilà, donc j'ai eu quand même une petite chose triste qui m'est arrivée hier, hein, je le dis. Je ne pense pas que la personne ait été malveillante. Je l'ai pensé sur le moment, hein, je dois dire. Et j'ai voulu qu'elle me rende mes livres, les livres que je lui avais prêtés. Donc depuis des mois, j'avais prêté des ouvrages à une personne, des livres que j'ai écrits, et qui ne me faisait aucun commentaire. Au bout d'un moment, quelques mois après, je lui ai écrit un petit mail en lui disant, bah, je vois bien que mes livres ne te conviennent pas, ça peut se comprendre, tu n'as pas forcément l'état d'esprit qui convient pour assimiler ces livres, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un manque d'intelligence, simplement qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, peut-être, comme on dit vulgairement. Et voilà, donc elle me les a rendus, mais je crois qu'elle n'a pas compris, hein. J'ai croisé cette personne hier et elle a examiné un livre, elle me demandait si j'avais lu tel livre, sans faire allusion à ceux que j'avais écrits. Preuve qu'elle m'assimilait pas à un véritable auteur, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, mais la politesse veut que quand on prête un livre à quelqu'un, la politesse la plus élémentaire, la plus basique, c'est d'en parler. Et moi, je parlerai des livres, et j'en ai parlé d'ailleurs, que je lis et de personnes que je connais. C'est la base du sens humain. Voilà. Donc, bon, voilà, j'ai besoin d'exprimer cette chose-là. Ça m'a fait plus de mal, je crois, que les manipulations que j'ai subies.
d'être vraiment un auteur tabou, c'est extrêmement difficile certains jours. Certains jours, je l'accepte, je me dis tant pis, et y a encore des soubresauts. Vous voyez, comme quelqu'un qui est en train de mourir, mais qui essaie encore de se défendre de tout cela, et c'est très dur, très 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 dur. Si vous écrivez un livre, si vous écrivez plusieurs livres, les écrivez avec conviction et en faisant attention de ne pas écrire de trop de balivernes, trop de bêtises, et de ne jamais avoir de commentaires. Bon, vous me direz que certains lecteurs ne laissent jamais de commentaires, et peut-être que les lecteurs de mes livres ne sont pas des lecteurs qui laissent des commentaires. Mais dans ce cas, imaginez que je sois Martine Carole. Ben, quand on est avec Martine Carole, on parle de Martine Carole, on ne parle pas de Danny Robin. Voilà, c'est ce qu'a fait cette personne hier, et ça fait du bien de le dire. Je lui en voudrais moins si je l'exprime. Et je crois que je vais peut-être lui dire. Je ne dirai même pas, je crois qu'elle ne verra même pas où je veux en venir, puisqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas une personne méchante, mais on n'est pas dans le même univers, le même environnement, et on ne peut pas se comprendre. Voilà. Voilà, j'en reste là pour ce soir, pour cette vidéo du moins, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.